premier bonheur du jour. Il faut bien mesurer que depuis trop longtemps, et en particulier dans les dernières années, la politique française, et particulièrement celle conduite, je le dis, aboutit à ceci. On arrive à isoler, stigmatiser ou à ce qu'ils se ressentent comme tels des millions de Français. Et moi, ça me révolte. J'essaye un instant de me mettre à leur place. Le principe de la République, c'est l'égalité de tous, composée de citoyens français, sans aucune distinction de race, de sexe, de religion. À quoi tous ces colloques sur l'identité aboutissent, sinon à chaque fois à donner le sentiment à ces femmes et ces hommes qu'ils sont mis à part, une espèce de ghettoisation morale. C'est insupportable. Et il est temps d'en finir. Populisme triomphe à travers toute l'Europe. Il suffit d'aller à Bruxelles, au Parlement européen, pour le mesurer. Je rappelle ce que nous sommes, une république laïque. Je rappelle ce que nous sommes, une république dans laquelle il ne doit y avoir aucune discrimination en fonction de la religion. Alors, assez! Thank you.
fridge. Black and whites, all red all day. What a way to begin a sad song when the rain falls off. Play that, kick the shit out of the break and the sample. Make the bass catch claps like hi-hats. They can't handle the swing on the samba. It's on the black mamba, mama, hot chicks in the sauna. Stick them up, I can't arrive. All of a sudden, stuck in drama like 4 or 5 traffic. I'm lost in the good with my nigga Robber. Hey. Saying peace out as I leave the side door. Meeting up with my kinfolk, rolling up that indoor. Rolling 5 deep to the drive-through window. We gon' need more pico de gallo. Already spilled mine on the seat right behind you. And I can't clean it, yo, it's out my way. Plus a straw for my soda's gone MIA. It's a sad day, but I think I'll live. Just playing life's good, wouldn't give all this up for nothing. Especially a 9 to 5. I don't make much money, but I'll survive. Never cared too much about the hustling game. So I guess I'll just wait for the fortune and fame. Cause for now I'm just fine doing things my way. I think I'll be doing that today. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Vous savez, c'est très rare, dans une vie d'homme, de se battre intensément pour obtenir une mesure à laquelle on croit passionnément, de la voir de son vivant triompher et de se dire qu'on n'y a pas été complètement étranger. Thank you.
Vous avez remarqué comment, au long des années, les visages des responsables supérieurs ou suprêmes se creusent. C'est la tension intérieure face à la décision à prendre. L'indignation est un sentiment commun. Non, moi je crois, je suis plus à la catégorie des révoltés. We'll be right back.
fool me. You can't fool me. We'll be right back.
Thank you.
Sometimes I'm blue,
My disposition depends on you.
Listen, baby, how you doing? I couldn't wait to get home.
for me. Reach out for me. You was our love now. Now you're afraid. Reach out for me. We'll be right back.
faites attention, il y a la réalité et le combat d'idées. Je n'accepte pas. Et ça me révolte. Les violences à caractère raciste, ou homophobe, ou antisémite. Tout ce qui est agression de l'autre pour ce qu'il est. Ça me révolte. Parce que c'est une négation de sa qualité d'être humain avec la dignité que l'on doit reconnaître à l'autre. Le fait que dans certaines sociétés, aujourd'hui, on condamne des adultes à mort ou à des peines de prison très lourdes parce que ils ont des relations homosexuelles. Là, je suis révolté. Parce que c'est le droit de disposer librement de son corps. Vous êtes adulte. Un autre adulte connaît avec vous des plaisirs qui leur conviennent à tous les deux. S'arroge le droit de tuer des êtres humains au nom d'une idéologie dont ils se déclaraient les défenseurs et au nom de droits du peuple qui ne leur demandait rien, s'auto-proclamant justicier. Ça me révoltait. J'allais vers toi, j'allais sans fin vers la lumière. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Les rayons de tes bras entr'ouvraient le brouillard, entr'ouvraient le brouillard. Thank you.
Ce qui est toujours déplorable, c'est quand les manifestations dégénèrent en violence. Là, oui. J'ai beaucoup défilé dans ma vie, je ne le fais plus, mais j'ai beaucoup défilé dans ma vie pour de grandes causes. Très bien, ça fait le droit de manifester dans la rue, c'est un droit qui s'inscrit dans toutes les démocraties, qui est une expression de la liberté. L'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Le débat qui s'engage aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et qui l'engage en effet chacun d'entre vous. Et que le choix qu'il fera l'engage personnellement. C'est grande parce que elle a été la première en Europe à abolir la torture. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. 190 ans, près de deux siècles, se sont écoulés depuis que dans la première assemblée parlementaire qu'ait connue la France, le Pelletier de Saint-Fargeau ait demandé l'abolition de la peine capitale. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut. Et rêver de plus noble.
temps de la santé où j'avais vu exécuter un homme que j'avais défendu, dont on avait reconnu qu'il n'avait pas tué, qu'il n'avait jamais versé le sang, et qu'on avait coupé vivant en deux, je suis sorti révolté. Et j'ai dit, jamais, 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 je n'accepterai la peine de mort. De peine d'emprisonnement, de supplice corporel, voire de mort, oui, ça me révolte. Et j'ajoute que je suis indigné par le silence général. Monsieur, j'ai connu l'occupation nazie, je suis juif, on me dit faire peur.